Bonsoir, excusez-moi, bonsoir. C'est ma santa Benito, votre frère. Voilà, partage. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message, il est tellement fatigué. Et voilà. C'est-à-dire, j'ai envie de prendre tous les messages que nous recevons en inbox là, vous envoyer. C'est-à-dire, vous comprendrez combien de fois ceux qui nous insultent là, après avoir tout fait, ils ont passé par toutes les manières, toutes les méthodes pour nous chasser sur la toile là, ils n'ont pas pu. Donc, c'est eux qui disent, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ayant tout. Mon beau, salam alaikum, respect à mon beau. Mon nom est frère Barry. Comment vas-tu, mon beau, monsieur Barry? Voilà. Excusez-moi, c'est ce qui me faisait rire, quoi. C'est-à-dire, il a écrit, voilà, c'est-à-dire, c'est les gens-là qui payent les uns et les autres pour aller insulter sur les pages, ils font les captures d'écran, on envoie pour avoir un poste, nous sommes sur les pages, on les insulte. Donc, bonsoir à tout le monde, je serai pas long. Allez, permettez-moi de remercier les Guinéens, les chers, les grands intellectuels de ce pays vivant à l'étranger. Permettez-moi de dire merci à certains cadres vivants à Conakry, en République de Guinée, refusant de s'approcher et s'énerver. Nous remercions aussi certains cadres qui ont clairement dit qu'il reste 2 mois dans les conditions normales. Je ne peux pas accepter un décret en ce moment. Je ne peux pas accepter de m'approcher à une action qui est totalement gâtée. Je ne peux pas m'approcher aujourd'hui à une situation qui n'a ni queue ni tête. Vous, les cadres qui ont accepté de vous éloigner de ces gens-là, je vous le jure, vous ne le regretterez jamais. Mamadi Doumbouya, que vous voyez comme ça, il a toute l'armée, c'est-à-dire il a tout ce que vous voyez comme ça, les chars, les blindés. Vous savez comme moi, quelqu'un qui n'a pas de problème avec son peuple. Le peuple ne peut pas choisir un président et puis le menacer. Le peuple ne peut pas élire un président et se mettre à sa trousse. Le peuple ne peut pas choisir celui qui son porte-parole et puis le menacer. Hein? Regardez aujourd'hui, normalement, une fois il était venu relax. Vous l'avez vu sur le toit de sa voiture, du blindé. Il était comme ça, il n'avait pas le. Mais regardez aujourd'hui, plus de 8 personnes, ils ont fait une couverture. Parce que simplement, le professeur Alpha, que son excellence se trouve en Afrique. Il n'y a pas quelqu'un qui ne. Je vous ai déjà dit, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas son papa. Qui ne connaît pas son papa? Qui ne connaît pas l'homme qu'il a mis au monde? Ton père là ne peut pas t'éduquer. Il t'envoie à l'école. Il te met au monde. Il t'éduque. Il te donne la vie. C'est-à-dire, il te guide. Il bouillant. Tu deviens quelqu'un. Et tu te fous de lui. Et que toi, tu dors tranquillement. Parce qu'à chaque fois que, partout où tu es là, tu as l'image de ton papa dans ta tête. C'est-à-dire, quand vous expliquez ça à des Naloma, ils ne vont jamais comprendre. Lorsque le monsieur est rentré à Conakry, après son aventure, après, merci Paik Ngawal, voilà Alpha Retour. Après son aventure, vous savez, il était dans la Légion étrangère, il est poursuivi en France, il est parti, il est tombé en Angleterre, l'Angleterre, il a cherché à rentrer. Quand il est arrivé là, je l'ai dit, qu'il me dit le contraire, il avait que 4 750 € comme argent. Tout ce qu'il avait comme fortune, qu'il a obtenu dans sa vie, là, il n'avait que ça. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce type-là, il a gagné tout avec le professeur Alpha Condé.
Il a tout eu. Étage, bien. Et puis jusqu'à avoir un budget. Voilà pourquoi l'imam parlait de... Vous allez entendre l'imam. Il n'a jamais été tout. À artiste, il n'a mangé de Rome. C'est que ça n'a pas la canana n'a pire. Quand vous entendez dans un pays que c'est les artistes et les guéribas qui vont nommer ou élire le président, c'est que c'est fini pour ce pays-là. C'est la vérité. Parce que ce n'est pas leur boulot. Donc le monsieur a... Regardez comment il était fermé aujourd'hui. Il était fermé. Il n'y avait que ce petit espace. Hein? Ce petit espace. Pour regarder devant. Les supporters, ils sont là, hein. Hey, voilà quelqu'un qui s'est suivi l'accueil. C'est ce qu'il veut. C'est-à-dire, il y a des vidéos ici où ils ont demandé à certaines, mais t'es à le t-shirt de Doumbia, tu vas pas. Il dit non, je vais pas, hein. Moi, j'ai pris ça pour pouvoir payer la scolarité de mes enfants, les tenues scolaires et les cahiers Bic, tout. Et c'est vrai. Tu sais que beaucoup disent. Donc, nous allons d'abord écouter son excellence, le professeur Alpha Condé, pour lui dire merci. Il est en séjour en Afrique. Je l'ai dit dans mon direct de ce matin, là, quelqu'un qui m'a demandé est-ce que Alpha Condé est en Côte d'Ivoire, ou bien il est en Guinée-Bissau, ou bien il est au Sénégal. Mon ami, n'est qu'à long, quoi. On se connaît dans ce pays-là. Avranya, Tunkaïda, Balanka, Ifambe, Fermé, Kibla, Kérim, encore, Aïtina, Yaïna, Aïté Fous, Aïté, eh, Doumbouya, elle te fousse d'allemand. Elle te mène sur aéré. Elle te fousse d'allemand. Elle te mène sur aéré. Si le pays est calme et stable. Kenim Mbandi l'a dit. Nous allons d'abord féliciter encore une fois parce que nous avons reçu des informations. Doumbouya a demandé à quelques-uns de le trouver des cadres pour remplacer ceux qui ont été limogés et autres. À maman aussi, son. Les cadres visés, les cadres que Doumbouya voulait, les cadres du RPG, de l'IFDG, certaines personnes qu'il voulait à ces postes-là ont désisté. C'est comme ce que l'abbé a fait. C'est-à-dire l'abbé dit que vous pouvez organiser votre tournoi, mais personne ne va s'associer à votre tournoi. Maintenant, si vous faites le tournoi pour chercher des images, des vues, pour dire voilà, Doumbouya est aimé à l'abbé. Vous avez vu, ils ont été en forêt. Arrivé en forêt, celui qui était devant est parti mentir au nom du Konya. Nous avons des leaders politiques. Nous avons des représentants. Le Konya est très bien structuré. Les uns et les autres ont appelé pour dire, ah, qui a reçu les gens là, en forêt? Qui a autorisé? C'est quel représentant du Konya qui a pris les colas pour dire non? Accepter qu'il y ait le tournoi de Doumbouya, accepter que Doumbouya soit candidat. Tout le monde, ah, ne m'allonde. Les gens ont dit, nous, on ne sait pas. Donc, la direction générale du Konya, la jeunesse du Konya, a été demandée, dit non, personne ne nous a consulté. Ils ont demandé à nos sages à Conakry, personne n'a été consulté. Ils ont demandé à Enfor, on dit, personne n'a été consulté. Ok, c'est un non-événement. Demandez-le. L'argent qui est parti pour le tournoi là, c'est tout dans la main du gouverneur. Le gouverneur va bouffer là tout de suite. Là, il va regarder un petit mamaya là et puis bouffer cet argent. Vous comprenez? Parce que moi, je l'ai dit dans un direct. Et je me répète, hein, si vous savez réellement, vous, les artistes qui sont en train de gueuler pour le délinquant Doumbouya là, mais essayez de faire la même chose à l'intérieur du pays. Nous allons voir comment les choses vont se passer. Combien de camions aujourd'hui se trouvent dans la boue entre Kissidougou et Mamou, en passant par Farana. Combien de camions se trouvent aujourd'hui en panne entre Labé jusqu'à Mamou? Aujourd'hui, allez-y, va à la route Kankan Kissidougou. Allez-y, voyez tout ça là. Vous voulez tout, c'est-à-dire vous voulez berner qui? Vous voulez mettre les yeux dans les yeux de qui? Les doigts dans les yeux de qui? On sait ce qui se passe dans ce pays-là. C'est ce que l'imam a dit. On prend l'argent, on vous donne, oui, parce que vous avez votre argent, ça vous suffit, et puis c'est terminé, les autres ne sont pas importants. Vous n'avez plus d'argent. C'est l'année scolaire qui arrive comme ça, l'ouverture. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que vous n'avez pas trouvé de cadre.
Vous êtes parti ramasser celui qu'on appelle Guillaume Awing. Guillaume Awing, si vous êtes un intellectuel, merci beaucoup, Iketa Bandimbassa, merci pour les étoiles. Si tu es un intellectuel, tu es allé à l'école. Voilà le frère Alpha Conté qui précise Bokeh aussi. Si tu es allé à l'école. En tout cas, moi, je me demande, mettez-vous à ma place. Ou bien mettez-vous à la place des grands intellectuels. Tu ne peux pas être ministre. De surcroît ministre de l'enseignement préuniversitaire. Et puis on te ramène au poste de directeur et puis au niveau de la pêche. Au niveau de la pêche, à la Temalaro, tu as été ministre, assisté à des conseils de ministres, être dans le secret du gouvernement et puis on te ramène dans une direction générale quelque part là-bas. Que la surveillance maritime à la pêche. Et puis il a remplacé quelqu'un qui a été nommé, c'est dans ça, qui gagne plus d'argent. C'est combien? Ah, vous aussi. Moussa Cissé. Vous avez limogé Moussa Cissé. Mais dites-nous où se trouve Moussa Cissé. Aujourd'hui, les gens ont pris cette dernière situation de vol-là pour nous donner raison. Nos cadres sont en prison. On dit non, ils ont détourné de l'argent, ils ont détourné les fonds, oui. Mais ceux qui sont en train d'être limogés là, sont limogés à cause de quoi? À cause de vol. Mais ils n'ont pas été poursuivis. J'ai reçu l'information ce soir-là, mais sans la vérifier. Pour ne pas que les gens disent que Moussa Cissé en Guinée, il a volé, Youssoufa Kotogan en voiture, il a volé, il a détourné, il a fabriqué les billets à partir du Ghana au Niger, je ne sais pas. C'est là qu'il m'a dit qu'on aurait demandé à Moussa de quitter le pays. Moussa Cissé de quitter le pays. Donc c'est pour dire que non, si Doumbia l'avait trouvé, il allait le mettre en prison. Nous connaissons le système. Tous ceux qui ont volé en son temps là, personne n'ira en prison. Parce que pour l'envoyer en prison, il va dire non, tu as vu, toi tu as crié haut et fort que tu es venu corriger les erreurs du passé. Nos cadres sont en prison. Hein? Et puis de surcroît, 90% de ceux qui sont en prison là sont des forestiers. Ce sont des cadres forestiers, des intellectuels forestiers. Des individus s'élèvent aujourd'hui que la forêt doit supporter Doumbouya après promulgation de ces pas de, comment on appelle la nouvelle constitution. Aujourd'hui, de Kissidougou, regardez Kissidougou, de Kissidougou à Yomou, de Béla, Kerouani, Mzereko, de Massanta, tout. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'où, il n'y a rien. Mettez le cœur. Nous allons écouter le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui est en séjour dans la région. Nous allons l'écouter d'abord, avant de continuer. Vous allez écouter. Voilà. Écoutons le chef de l'État. Après, je vous reviens. Guillaume Awing, là, un ancien ministre. Un ancien ministre. Ministre et puis de l'enseignement préuniversitaire. Professeur de mathématiques. Professeur de mathématiques. Ministre de l'enseignement, il ne connaît que l'éducation. Avec tous les honneurs. Gérer tout un département. Tout un département. On te ramène à la plus petite personne. Pour ne pas dire au plus petit poste. Comme directeur général. Autant dit. Et il paraît qu'il a été récompensé parce que il a participé à la mobilisation. Qu'il était dans la campagne des jeunes de quoi là-bas, de Kolewondiba, je ne sais pas. Je ne connais pas les quartiers de Kaloum. Vous savez, ils ont fait la liste. Et puis, les gens ont fait les listes comme ça et mettre en tête les noms de certaines personnes. Moi, Grand Naïki, celui qui nous coordonne. Moutan Hachef Naïki, c'est-à-dire on dit aux jeunes là, prenez-moi comme votre chef. Moi, Hachef Naïki. Moura chef Naïki, Boutanga patron Naïki, pour que juste n'a pas poste. Mais regardez ce pays. Mouna Falamane. Tout de suite, là, je riais là. Ousmane, comment vas-tu, Rémane Mori? Ousmane, Ouski, Brown, comment vas-tu? Et ton jeune frère. Je riais tout de suite là. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit. T'as dit, il a payé les gens pour m'insulter. C'est un cadre, hein? Non, c'est un cadre.
Voilà, Kamano. C'est un cadre, hein. C'est un cadre, il me connaît très bien. Il a étudié avec moi et Salou, mon ami qui est là. Nous avons étudié ensemble. Mais bon, il y a un qui a été envoyé par le petit là, comment il s'appelle là? Il a fait génie rural à Farana. Je dis, il a fait génie rural à Farana. Il est de Kouroussa. Comment il s'appelle même? Comment il s'appelle là? Ça m'a fait, je vais me rappeler dans un direct là. C'est son cousin. Parce que lorsque moi je suis allé en médecine vétérinaire, lui il est allé en élevage. Mais nous avons des professeurs communs. Parce que la médecine vétérinaire est un peu liée à l'élevage. On avait nous on faisait zootechnie avec docteur Mamadou Alu, le chef de département élevage. Et aussi il y avait des professeurs qui donnaient les cours élémentaires. Comment vacciner, comment, voilà. Il y a tout ça là. Donc lui il me demande. Il est supporter de Doumbouya. Hein. Il était en toutes sortes. Lui aussi, il a créé son club contre Doumbouya. Maintenant, c'est lui qui m'écrit. Malgré qu'ils nous ont insultés, ils disent qu'on ne fait rien ici, comme quand nous sommes des chauffeurs. On ne fait rien, on est foutu, on est assis sur Facebook. Des trucs comme ça, ils ont tout fait. C'est lui qui m'écrit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous nous laissez tranquille? Je lui ai juste dit, alors, cela veut dire que nous avons gagné. Tu me dis d'abord que nous avons gagné, et puis ça marche. Il dit, nous sommes fatigués. Il va Facebook, t'as tout. Dès que tu te connectes sur Facebook, là, si c'est pas Benito, c'est Damaro, c'est Mahmoud et autres, on ne voit rien, c'est vous, à le tout. Je dis, mais pourquoi vous avez fermé les médias? Au moins, les médias, là, pouvaient être un peu, voilà, mais nous, on ne peut pas. Donc, à côté, nous allons écouter le chef de l'État. Voilà. En amont, c'est Kebale. Après, je vais vous montrer quelque chose. Aïda, c'est quoi? Donner un bras. Oh, j'ai mis ça. Bon, n'a pas de problème, on a voulu. Voilà. J'ai cessé de penser à vous. Je m'adresse à toutes les Guinéennes et à tous les Guinéens. Ensemble, nous avons surmonté des épreuves très difficiles dans le passé. Nous avons ensemble réussi à faire avancer notre pays. Restons unis et solidaires. C'est ce qui nous permettra de bâtir un pays fort et puis nous pourrons vivre en paix avec prospérité. L'avenir et le progrès devant nous tous. Merci. Vous avez vu la maison dans laquelle il est, hein? C'est une maison. Vous avez vu des mais où on trouve des maisons comme ça là? Regarde des murs comme ça avec des traverses comme ça là. Regardez le mur. Vous savez, nous aimons beaucoup les murs jaunes. Qui aime les murs jaunes? Ta peinture jaune là, ta traverse bas ou là. Où on voit ça? Où voyez un ami? Vous les gars qui disent, il y a d'autres trucs qui disent, non, a été essayé, a été agnéé. Albert Kaloko, il est quand même, des rideaux comme ça, là. Hein, rideau bord. Rideau qui aime les tiens. Parce que nos mamans, là, nos soeurs, là, nos tantes, là, elles vont traverser, là, ben, salon, là, comme ça, là. Elles disent, fais un crochet, là, là, comme là, tiens. Réfléchissez très bien. Regardez la nature du mur, là. Voilà. Ah, ok. Merci, Ousmane. Je suis très fier de toi. Hein. Je suis très fier de vous, ton frère et toi. Voilà. Je suis trop fier de vous, franchement. Peuple de Guinée, je n'ai jamais cessé de penser à vous. Je m'adresse à toutes les Guinéennes et à toutes les Guinéens. Ensemble, nous avons surmonté des épreuves très difficiles dans le passé. Nous avons ensemble réussi à faire avancer notre pays. Oui. Restons unis et solidaires. Ce qui nous permettra de bâtir un pays fort et un pays nous pourrons vivre en paix avec prospérité. L'avenir et le progrès sont devant nous tous. Merci. Regardez le mur. Regardez à l'angle. Et alors, c'est nous là, on aime trop percer nos murs là. Regardez le mur là en bas. Il y a l'emplacement d'une pointe. À l'angle là-bas, pointe non yodoro. Vous savez, nous, en Afrique, on aime percer nos murs là. Dans nos murs là. Mon frère qui demande dans quelle ville je me trouve là, mon frère, si vous ne faites pas attention, je vais vous dire que ce que vous voulez pas entendre. Vous me demandez dans quelle ville je me trouve. Et puis sur ma page, vous me demandez dans quelle ville je me trouve. D'accord.
Je suis à Philadelphie. Si tu veux me voir là, mon numéro c'est le 215-779. Voilà, 6734. Appelle-moi. Je vais te dire là où je me trouve. Si tu es sûr de venir me rencontrer, il n'y aura pas de problème. Tu as compris? Il n'y aura pas de problème. Parce que personne, nous sommes en train de faire notre combat. Nous nous battons. Voilà, nous nous battons pour le RPG arc-en-ciel. Nous nous battons maintenant, là, actuellement, là, nous nous battons pour la Guinée. La politique viendra après. Aujourd'hui, Dounia Bekalon, ce qui se passe dans notre pays. Bekalon, tout le monde le sait. Comme vous êtes, moi, je ne suis pas contre quelqu'un qui supporte le CNRD. Je ne suis pas contre la personne. Je l'ai tout le temps dit. Mais c'est le fait que nous insulter ou bien dire que fortement, nous devons accepter. C'est ça le problème. C'est ce qui a envoyé des problèmes à beaucoup de personnes et moi. Voilà. Donc, salut, merci. Moi. Je laisse mon ami à intervenir. Il a parfaitement raison. Donc, nous allons terminer par ça. Minute. Donc, nous remercions les pharmacaires. C'est les infos, hein, c'est la passe des infos. Voilà. Professeur Fakone, merci. Bon, je vous rappelle, mais vous avez vu ça, non? C'est que le monsieur l'a dit. Vous rappelez, ça c'est la dernière interview. Regardez-le. Voilà ce que le monsieur disait, François Soudan, le directeur général de Jeune Afrique. Il dit, le professeur Alpha Condé continuera de faire ce qu'il fait depuis toujours de la politique. Où qu'il est, à Istanbul, à Abu Dhabi, au pôle Nord, ou sur une île perdue du Pacifique, c'est la terre de Guinée qu'Alpha Condé emporte la semelle de ses chaussures. Toi, vous Netengo, peut-être le moment de semaine l'explique. Allez-vous qui est allé à l'école. Parce que quand j'ai lu l'article, je suis rentré dans les détails. Voilà, j'étais perdu. Voilà. C'est le titre que j'ai retenu. Sinon, le reste là. Tout le détail là, quand j'ai lu, il va expliquer mon enfant. Non, il parle en faveur d'Alpha Condé. Laurence, lui là, François Soudan. Il y a trois personnes qui ont fait des éditos au beau milieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, on dit ça à répéter là. On a Binta. Ah, je suis un peu surpris que mon jeune frère Lilka Damaro soit là. Quelqu'un me dit qu'il est là. Bonsoir Lilka, comment vas-tu mon champion? Donc, je me reprends. Hein. Voilà ce que Laurent ça nous dit. Parce que, il y a des, entre guillemets, voilà. Et puis, il y a des pointiers. Cela veut dire qu'il y a une explication avant le paragraphe. Donc, voilà ce que François Soudan dit. Il dit, le professeur Alpha Condé continuera de faire ce qu'il fait depuis toujours de la politique. Point. Où qu'il est, à Istanbul, à Abu Dhabi, au pôle Nord, ou sur une île perdue du Pacifique. C'est la terre de Guinée qu'Alpha Condé emporte à la semelle de ses chaussures. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oh non, monsieur Cameroun, ne vous en faites pas. Allez-y, on va vous donner un poste. Et pourtant, toi, tu es en train de me suivre. Hein? Voilà. Donc, Wekelendi, un autoté, au Brabant. Permettez-moi. Est-ce que je ne sais pas où. Attendez, où j'ai mis ça. Ok. Je voulais réellement faire passer ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire passer. Non, ça, pas ça là. Bon, on va y aller dans le Guichindé. Prenons ça comme ça. Attendez. Ok. On va. Hey,
Voilà, pourquoi je vous ai fait voir cette vidéo-là. Vous qui avez accepté de prendre les tenues-là, les t-shirts avec de l'argent-là, si j'étais à votre place-là, moi j'allais demander combien on vous a donné. Il y a un travailleur du ministère du budget d'abord, qui m'a juste demandé, dit, je préfère rester dans l'anonymat, Monsieur Benito. Je voudrais juste que tu demandes ceux qui acceptent les t-shirts avec 50 000 là. Pardon, demande-leur. Est-ce qu'ils ont demandé aux distributeurs là combien ils ont reçu? Hein? Il faut demander aux distributeurs là de demander combien ils ont reçu. Monsieur Benito Alba Fugnana, combien ils ont donné à chaque section là? Ceux qui ont reçu 50 000 vont se révolter. Ceux qui ont empoché les 50 000 là, ils vont se révolter. C'est ça qu'il dit, Nyafele. Tu as vu, non? Je veux que tu restes dans la. Tu m'as vu, non? Voilà. Dans l'anonymat. Mais il faut juste demander aux gens là, ceux qui les distribuent l'argent là, de les demander. Hey, Worimen, ils ont fait en détaillant. Il y a des gens qui ont reçu 500 millions. Il y a des groupes qui ont reçu 300 millions. Il y a d'autres qui ont reçu jusqu'à 700 millions. Il faut demander à Badra Kone de Matam, combien il a reçu. Wori Memboni, l'argent qui est sorti dans les caisses, parce qu'ils ont dit de ne pas faire de chèque, de sortir cash au nom d'une seule personne. C'est Amara qui a fait le partage. Amara, c'est lui qui a fait le partage par groupe. Ceux qui sont à la présidence là, Olka Menseron, Dote Folaro. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans le cœur des événements. Sinon, Ibawori la Talangae, c'est comme si la Guinée ne souffre pas. Je te dis sincèrement, moi je ne suis pas politicien. Voilà, je travaille avec Doumbouya. Mais wallahi billahi talay. Ibawori la Talanyae. C'est comme si, quand tu regardes la Guinée, et les gens là sont en train de partager l'argent dans les plastiques là. Wori Sinouangati. Ils doivent comme si il n'y a pas de souffrance dans ce pays. Voilà pourquoi je vous ai fait passer la vidéo là. Et d'une le café, on a une minorité. Je sais que vous avez des services de renseignement. Demandez-leur. L'argent qui a été partagé avant-hier au gouverneur de Conakry, la dame là, demandez à madame la gouverneure combien elle a reçu. Parce qu'elle se dit qu'elle a 10 sections. Ils l'ont donné le premier lot, madame la gouverneure. Le premier lot. Et c'est madame la gouverneure qui a appelé les chefs de quartier et autres là, étaient chargés de faire sortir les familles. On dit chef de quartier, chef secteur, de la famille. C'est comme ça qu'ils ont fait. Non, fait le tout juste. Moi, je suis du CNRD. Mais ce que j'ai vu, quand je regarde ce pays, la souffrance de ces Guinéens-là,
Et des gens sont assis, sont en train de partager l'argent. Mbamol Meko, il n'y a pas d'argent dans ce pays-là. C'est archi faux. Ne dites pas qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays. Et arrêtez de dire que les gens n'ont pas d'argent dans les bureaux dans ce pays-là. Les gens ont l'argent dans les bureaux de ce pays-là. Je t'ai juste interpellé parce que j'ai vu ta vidéo où tu parles des établissements scolaires. Ce qui est vrai. D'ailleurs, tu n'as pas... Est-ce qu'on t'a dit qu'il y a un document qui est déposé pour la confection de 10 000 tables bancs? Ça, c'était à la fermeture, au début, c'est-à-dire avant que les enfants n'aient en congé. Le document, une nécessité avant l'ouverture, 10 000 tables bancs dans la région de Conakry. Demandez-leur s'ils ont confectionné un banc. Un seul banc. Et je suis témoin. Quelqu'un est venu faire sortir, il le sait, il va faire toi dans long. Il va faire, je veux juste qu'il a faut. Quelqu'un est venu faire sortir 1 580 000 000. Voilà. 1 milliard, attendez, je vais dire. 1 580 000 000 pour la zone de Cancan, table banc. Pour la zone de Cancan. Et ce dernier, il dit, tu as vu un monsieur qu'on appelle Apache, que vous voyez comme ça, Apache là. Il y a un de mes frères qui est militaire. Abala Fanyana, il le sait, Apache que vous voyez comme ça là. Apache qui se promène là, il a les jeunes derrière. Il n'y a pas de carrefour entre son téléphone et Mali Doumbouya. Il s'appelle comme ça, comme des camarades. Le gars là a eu le marché de la confection des tables bancs. Des tables bancs dans ce pays là. Wodio, demandez à la population de Kanka, Benyinika. C'est ma fille qui m'a montré ta vidéo. Et puis je t'informe. Au bas, c'est à l'ouverture là. Ceux qui ont l'examen d'entrée en cette année pour les écoles publiques là. Tu sais à combien ils ont demandé aux gens de verser le prix de table banc au directeur. L'information là, Idame, ne les cafouillant. Idame, ne les cafouillant. Ils vont demander au directeur de collecter de l'argent. Ce n'est plus les parents d'élèves qui vont confectionner les tables bancs. Sinon, moi, quand j'ai l'entrée en cette année, maman, j'ai fait mon banc. C'est un monsieur là, comment est le jeune là-haut? Il est où même actuellement? Il a payé. C'est-à-dire, c'est deux personnes par table banc pour aller où? Deux personnes par table banc. Deux personnes par table. Mais cette fois-ci là, c'est clair et net. Ils ont demandé au directeur de dire aux parents d'élèves que c'est l'école qui va confectionner les bancs. Maudou Franck, quelqu'un a regardé son petit marché là-bas. Vous avez combien de fois, vous qui pensez que les gens là sont amoureux de vous, il dit qu'il est venu faire l'amour. Vous êtes enceinte des problèmes de ce pays-là. Tout le monde est enceinte de problèmes. Ou bien qui n'est pas enceinte? Et vous savez combien ils vont. Parce que si tu ne. C'est l'école publique. Ni Maudi sera pour que ton enfant ait une place pour étudier. Allez-y au lycée de Sofonia. Il n'y a pas de place là-bas. Placé, il n'y a pas de place. C'est ce qui va arriver comme ça là. Wolnatoté. Voilà pourquoi je suis d'accord avec le ministre de l'enseignement pré-universel qui a tiré, qui a averti, dit clairement. L'année passée, il n'y a eu que 60% d'activités scolaires sur toute l'étendue du territoire. 60% d'activités scolaires. Cette fois-ci là, ce sera entre 30 et 40. Vous le bétolo, quoi. En ce moment là, il y a des gens qui veulent nous vendre je ne sais pas quoi. Doumbia, il sait très bien. Actuellement, là, ce qui est en vue, là, qu'est-ce qu'il faut faire dans les 2 mois, là, pour rassurer la communauté internationale? Il est sur ça, comme ça. Ma soeur, ma camarade, comment vas-tu? On va, madame. Actuellement, là, son souci, là, il est rentré pour régler ça, parce que Kagame travaille pour la communauté internationale. Paul Kagame travaille pour la communauté internationale. Ils ont demandé à Paul Kagame de contrôler, d'aider ce monsieur-là, le contrôle de normaliser. Mais actuellement, là, à cause, il est passé par le Rwanda. Il a toute sa fortune là-bas. C'est-à-dire, ce sera son point de chute. Ayanyaina. Donc, actuellement, là, ce qu'il cherche là, qu'est-ce qu'il va faire comme activité qui peut tromper les gens? Hein? Je dis, entre octobre, novembre, il faut occuper l'esprit. Et jusque-là, et tout dépend des trois partis politiques, le RPG,
l'IFDG et l'IFR, parce qu'ils l'ont demandé de tout faire entrer en contact, renouer le dialogue avec ces partis politiques. Et moi, je mets en garde le RPG, je mets en garde l'IFDG et je mets en garde l'IFR. Vous ne coopérez pas, vous ne négociez pas. Il ne reste que 2 mois. Vous ne participez pas, parce que voilà le plan. Ils vont commencer les réunions, les rencontres avec les vrais principaux partis politiques. Donc, Doumbia aura automatiquement raison sur vous, parce que effectivement, à partir de là, ils vont établir les programmes en fonction de vos activités. Bon, ils vont étaler encore pour 2 ans. Là, vous ne pourrez pas dire que c'est... Non, on n'accepte pas. Donc, il est temps que vous compreniez que vous ne participez pas. Il reste 2 mois, ils sont restés. Le ministre de l'administration du territoire ne parle plus. Lui, il ne parle plus. Ils l'ont dit d'arrêter toutes les activités concernant les élections. Il ne fait absolument rien. Recensement, rien. Ils sont assis là-bas, rien. Donc, nous, on vous met en garde. RPG, là, IFDG, IFR, personne ne participe à un dialogue ouvert parce qu'ils ont demandé de réunir le dialogue avec vous. Je dis, il n'a qu'à d'abord commencer par libérer les prisonniers politiques, faire un document officiel signé, validé par la communauté internationale, que Selouda le Diallo est garanti de rentrer sans problème. Et ça, même je ne crois pas, parce que c'est quelqu'un qui a trahi son bienfaiteur, là, voilà, il peut tuer tout le monde. Salakatala. On est là-bas maintenant. Salakatala, hein. Attendez. Allemagne, il n'avait rien compris. Je voulais, ok, c'est bon. Donc, elle m'a envoyé un message. Voilà, je vais terminer par ça, s'il vous plaît. Voilà. L'onile nous est au moins même. Hana mangelu sa, ou ni bifola harira l'on a raison. Uma wuyara findina furima unne kumbi una anena tae aimwefe mangera anu utana matam mange supupo utane pusefe utana kampani la ba matam mangebe utane pusefe utana soutien la ba fi ibe kona dena kande uma memo uma tuma yema muma tema muma umu furu umu tulu matima furu umu tulu matima lonilara na mange fa muma lona konsulte ma mufuru ama tulu matima furu atulu matima utampaga yeri dana tina sono Hasaya karauma uma wuyara fini furima wuyara fini mange imamu ima woni imamu ukumbi wona fala MOF mangebe alors utana kam mange suteni alors utana kampani ya babe alors utana nufariti mebe alors utana nubelga bumbu mebe ugharilfing bili ugharilfing tina uma nga kumbi nuga wen kobi bili uma fayara fini ma Oma mfayara finima furi inama. Ufayara finima lonile inama. Afali tunenu wena mfalawe uma mema. Awutana mfata mangia sutinidi. Awutana mfata mangia kakampanyi rabadi. Metina hanasa ayara findi uma yahira. Anasa agbaura. Uma mwela udere tima lonile inana. Udere tima furi inana. Uma nune kumbi. Ane muwe mfi mangebe. Inasefalama mangebe. Mange mui kumema, ufamu furi kumema, umulole kumema. Right. Inafra uga alu umamema, waiki umamema, uga hu alayara. Right. Yelibayi, sigisei, nega mumange duhoma. Right. Nega mumange duhoma. Right. Nega mange kampayi bomboma. Ema bomboma fiyo. Nara bama boku munduma. Amuna. Hasali bagay mubarage giride boku inagay. Wallahi. Kanari barge boku dena kande yonde. Oui. Sigise na mangye doma. Non. Sigise na mangye ga suite na bama. Non. Oma kanari adunye kiyama depi ala kuya depi hau. Mangye o mangye ali mana sigise na nare matoma. Yelbe ina be. Kono ama gurufe kibanyita. Belagaga lama. Sukande garaba. Furei. Taifuri. Tafalangambi. Boku kande. Nere tu kule tira kulu. Yoi. Nena ntaframa a sende na ndoma mangera. Hali dine faaka na kini. Ina gema ahalul halli wal aqd. Nere fe suoma itana bama. Yoi. Nena mange doma. Alu tune nene umalo nile. Ine tu umata ifuri.
Ina mangi do kama. Ha bar faro ki ba itan sono. Yel ba tan sono wa ma to lo wa ma ko ma kiana. Wo baluki soto wa wo do yi soto. Ba fa de mangi do fe. Fo sigi se na na suti na ba. Sigi se na do kama. Kan ma li ma na le resere ke baraka na na bo gira. Wallahi. Wallahi. Sere ke baraka na na bo gira. Wallahi. Na dangi gambi. Donc, nous allons faire passer ça pour montrer à ces petites personnes ce que l'imam est en train de dire là. Voilà, parce que l'imam, il est très précis dans ses propos. Il n'a pas insulté quelqu'un, il ne fait que dire la vérité. Je me répète, et puis, Ndamamene, ce n'est pas un artiste, ce n'est pas un guériba qui met un président, qui fait la campagne d'un président. Ce n'est pas un artiste. C'est ceux qui savent ce qui se passe dans le pays. Ceux qui sont derrière les notables, c'est-à-dire les chefs du pays. Les notabilités, parce que l'arrière-plan, là, il a dit arrière, derrière, c'est que le peuple, chaque chefferie a une entité derrière elle. Chaque chef a un groupe de personnes derrière lui. C'est l'ensemble de ce groupe-là. Nénan la merafala. Dinan Seigneur. Même l'affaire d'être imam là, c'est comme ça. Dinan dit qu'il y a beaucoup de critères. Maintenant, s'il est élu, il est devenu président. Que personne n'est contre qu'un chanteur ou bien un djeliba qui demande un président, chante le nom du président. Moi-même, je l'ai dit plus tôt. Tu peux chanter le nom du président, oui, tu gagnes ta vie. Mais ce n'est pas un artiste ou bien un djeliba qui doit faire la campagne d'un président. Parce que vous ne parlez pas de ce qui se passe dans le pays. La situation du pays. Comment est le pays? Sinon, comment regarder la Guinée actuellement là pour dire non, tout va bien en Guinée. Il y a quelqu'un même qui a sorti de lui qu'il y a 2000 km de route faite en Guinée. Et bien, tu es insolent. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien. Que la nuit porte conseil. Vous avez trouvé un groupe qui nous a combattus dans la communication et ils ont démissionné. Il y a eu une deuxième vague de communicants qui étaient là. Ils ont tout fait, ils sont partis. Ils ont créé ici, au temple de quoi? Temple de la communication. Eux là, ils sont passés. Des gens ont fait des budgets ici pour les donner à Amara. Ils sont passés. Regardez les réseaux sociaux. Ceux qui sont constants. Si ce n'est pas un communicant du RPG, c'est un communicant de l'IFDG. Voilà. Regardez même nos abonnés là, les abonnés les plus constants. Si ce n'est pas les abonnés du RPG, c'est les abonnés de l'IFDG. Actuellement là, c'est les deux groupes là qui gèrent. C'est eux là qui gèrent aujourd'hui. Tout ce qu'on appelle communication en Guinée. Partout où vous partez, vous voyez quelqu'un où il y a 100 personnes, 200 en train de suivre. C'est que c'est un communicant de l'IFDG ou bien un communicant du RPG. À part ça, zéro. Nyara nyomba ima ita en Sore Wantoso, Paris. Bara fala ibe dougula nira. Ina fa y justifier en achapement. Il s'appelle René Siga cérémonie. Il me faut, il va à toi, il me faut. C'est-à-dire, et il est fourné na veste, na complément. Et il est fourné quoi. Ni tourné, aïra fa mouta, aïra détracteur, il ne t'en prélif à la main. Sorel, moi là, moi, Benito, ma santa Benito, et mon colongo, moi, je m'habille simplement. Hale Siga fait cérémonie. Je m'habille simplement, il entend. Voilà, mon tigama, mon versier est fou. Nara gourma, on dirait pampan, mon tigama, marabama. Inantanto, gouba, sur sa mosquée, à falanga, à balangri, le vendredi matin, à balafalambe, arrête d'aller en tissu là, ou bien en jean à la mosquée. Ou bien, nan, nan, adam borno da bazen, la mari bazenji. J'ai ça là, beaucoup, je ne porte pas. Eh ben, n'ta mou veste, on va nara chende ma ou robe. Regarde, au moins, même si il dit qu'il faut habiller, regarde la ceinture, c'est-à-dire, il n'a pas justifié. Regarde comment tu es arrêté. Il m'a tout bas.
Il m'a tout pardon. Non, c'est vrai, franchement, c'est vrai. Attends, Jimel, attends. Il était ma. Eh, ni toi, on est ni justifié. Ah, mais la femme là, la police des modes là, elle a parfaitement raison. Il n'a été en bas la bouffe au tétard. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Tu sors un tricot de la Coupe du Monde 98. C'est-à-dire, regarde la Coupe du Monde 80, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. B, Danton B, Philadelphie Danton B. Na tennis, tennis 2005, Amérique B, US Open. Il n'y a pas de matou. Ancien tournoi, il n'y a pas de matou. Cela ne veut pas dire qu'à 92, il n'y a pas de matou. D'ailleurs, il y a un alouma en France, Birina, depuis longtemps, longtemps. Ça rapportait à quoi? Est-ce qu'il y a Tomine, Itanga, Wali Sabotera? Non, personne, parce que Walita, Walinara, tant qu'il y a Kobe Sotoba, Walinara. Moi, je n'attaquerai jamais quelqu'un à l'Occident, en Arana Bafi. Moi, les gens m'ont appelé ici, on dit, APS Batinira, Atende, Tende, non. J'ai dit à beaucoup de. Depuis, j'étais défendu. Non, c'est normal, il gagne sa vie dans ça. Il gagne sa vie dans ça. Moi, à l'Occident, même là, tu nettoies les toilettes, tu cobres sur toi. Parce qu'à Marseille, ce n'est pas écrit ce que tu laves les toilettes. Je ne vais jamais critiquer quelqu'un. Quand il est ceci, cela, il conduit taxi, il lave douche, il fait ceci, cela. Moi, je connais des anciens cadres du professeur Alpha Condé qui roulent taxi à Delaware, ici. À Delaware, ici, juste après Philadelphie, ici. Je connais deux cadres, hauts cadres, qui sont en Maryland, qui roulent taxi. Mais ce qu'ils gagnent là par semaine, là, c'est plus que son salaire de 2 mois. Hein? Mais ça, il n'est justifié. Il entend tout. Et mon togo, il n'est pas mal ça pour compliquer. Tout ce qui. Moi, je m'habille simplement. Moi, si je m'enveste, je n'ai pas de robe, je n'ai pas de. Malabar, regarde comment tu arrives. Quelqu'un m'a envoyé la photo. Ah non, en Amazonan, m'a détracté, en Tambara, Boufran, en Aminde, la photo est quelque part. Et là, n'a ton gouverne, n'a la gata irende. Oh, Namara. Et Allah. Moi, maman, c'est fait, quoi. Para! Non, Namara, c'est qui? N'a la photo, Allah. La photo. Non, maman, c'est fait, il entend tout. Yannick Nana Bek, il n'a tout. C'est-à-dire, en fait, ça peut être simple. Il n'a tout, non. Il garde le bon. C'est-à-dire, en fait, il a habillé, il n'a pas habillé. Il n'a tout, tu sais qu'il sait s'habiller. M'tant, sosoy, tout, n'a pas habillé des fouilles. Sosoy, un soussou qui ne sait pas s'habiller la fouille. Depuis un temps, Bari, je vois un soussou qui ne sait pas s'habiller la fouille. Il t'en kiri. Sinon, Arsapnara, un sous-sous peut aller comme ça, il prend une toute petite combinaison comme ça, en Arsapifou, tu tapes garde-boue, un sous-sous, mais je vois un tas d'une sauce et tout, là, on fait un de fou, il Nathan, on t'en conseille, on t'en mis classement. Voilà, on conseille en fumement. Il faut être comme les autres sous-sous, parce que tu es le seul sous-sous qui ne sait pas s'habiller. À part même il veste dans Aïki. Et on a beau les saper, Minamato, comment tu t'habilles? Il a ses miso, n'a col n'y a riki, il a idoriki, et t'as un imaram lavabo qui, et n'a ibato, iba Coca-Cola original, et mon ami, Coca-Cola aux États-Unis, c'est $2, on a bidon banga, $2 nara. Ici là, on interdit de donner ça aux enfants, et Founa Belbena, et t'as un ton moment, comme ça. Fekani, c'est Fekani, ma Fekani naiki, non, moula, ma Fekani naiki. Fekani, Mart, n'y a la mamou ikide. Sinon, Katanara, n'ta ma artiste nan naki. N'a ma touma nan yida. Donc, portez-vous bien, hein? Merci beaucoup. N'ta m'sore wantoso. C'est parce que, mais il ne baira à vidéo à sa mampal, pour dire que non, sore se justifie. Sinon, il faut même pas te justifier. Sinon, nam, moussoye matouba. Mousto Kamara Matoba, un artiste Moustoui. En défense, comment ça? Ali Fekani Matoba.
Feka est en comédie là-bas. Regarde comment il s'habille. Rana Bazin. Regarde comment ça le va très bien. Na, tende, Erele. Ego, des artistes comme ça. Ils savent tellement s'habiller. Martis n'y a là-bas. Ege boke, bingeni ma. Voilà. Voilà, on est ensemble, à la baie. Voilà, ma numéro n'a grand, il a un grand, alors maintenant, on le dit. Donc, grand soeur, on va la faire la baie. Quand je dis à quelqu'un grand, ma combi, ma enfaka. Et bah, il faut demander à chose, mon grand, grand en Allemagne, il faut demander à grand. N'tan. Et t'en as n'y rien, on mais malgré tout ça là, l'oké, il m'a vu de la ni comique de n'a mais tu m'as insulté deux fois, trois fois, tu m'insultes. Bouba Samsa, laisse, je vais le bloquer. Donc, portez-vous très bien. Inch'Allah, on est ensemble. Voilà. On est ensemble. Allez, voilà. Non, c'est pas Mansabila. Mansabila, c'est mon beau. C'est pas. C'est l'autre. Graonazis. Graonazis. Et bien, Graonazis, voilà. Il m'a réduit comme Graonazis. Parce que Graonazis, Nita, on va à Europe. On va à Europe. Mais Graonazis, Matouba, comment il s'habille? Il s'habille très bien. Et Graonazis, on a jean, on a sport, on a. C'est simple. Ou bien, on a la chemise et la veste dit ça. Et puis, c'est élégant. Et là, on a dit ça comme ça. Un temps avant, dès que je vois quelqu'un qui est bien habillé, il y a un bazin, il y a un mannequin. Mais, on a mis un net, un jeune en jean comme ça, une chemise très jolie comme ça. On a mis un directement dans la Guinée. La Guinée, on voit dans la Guinée. Directement, on a mis un sous. Directement, hein? Non, ouais. Et voilà comment. Ça, c'est la vérité. Il faut, aller un temps comme, un temps mis à vivre, grand soleil ou en tos. Mais, n'a veste complète, hein. N'a raillé, faut, n'a qui s'y gagne à soirée, à la bille là-bas. A fala bé, moi, ma veste, quoi, ma. S'y gagne à veste, soirée, là. A fala bé. Et puis, attendant, à la faute, n'a raillé. Et puis, allez, mon à sa peau, ça. Démarcer, à sa peau, n'a pas qui. La Guinée bille mahori, démarcher à sa bonanaki. Parce que à soge nan kalemaïki, moumito Europe, nan la casquette molisoba. Han la casquette, d'abord, et Amérique Bamuna. On ne voit pas ça aux États-Unis, là. Demandez à tout le monde, je n'ai jamais vu ça ici. Ma voilà, ici, c'est Amazon, de. Ici, c'est Amazon. Voilà, il y a c'est Amazon, peut-être, il y a ton chapeau, il y a sebe, voilà, Amini. Nous, à la, demande, ça, c'est un anaki. Sinon, Yannick est mort en Allemagne, meni. Il a dit sur la chemise, il a dit sur la chemise. C'est simple. Il a sa cérémonie qui est bien parfumée. Agnon, mais si Gaïe Goubato, ou à la gourima, à veste, hein? Et alors, non, je laisse comme ça. Abdou, si c'est là, là. Non, bonne nuit, porte. Non, grand, nous, à la tagi. N'a cigarette, non, bois, ça, excusez-moi, bonne nuit à tout le monde. C'est la vérité. Je vous le jure, hein. Sa place n'est pas compliquée. Hein, c'est pas compliqué. Bien, Mahori. Et Allemagne, il faut s'émiser, Fanny, n'a même pas. N'a s'émiser, Carole, Paris. N'a s'émiser, n'a même pas. M'ta ma flamme, yoba, anna, c'est à deux masses, là où on vend les habits à $2, à $2-3. Mais il suffit de savoir faire la combinaison. Qu'on a cribé les vrais habits là, ça va friperiner. Friperiner. M'ta ni sa moua, deux masses, ça va friperiner. M'ta sa ma friperiner. M'ta sa ma je lave très bien, je repasse. C'est là-bas. N'a dit, n'a chemise carolée, n'a salama mené. Voilà. Mais, maori, il a, il fang, grand, il a un mouraïagi. Ah, il a un mouraïagi. On dirait que tu n'es pas sous. Et puis, il faut faire, il décale, ma maman, non, m'tan, chemise, Coupe du Monde 98, n'en a qui. M'tan, 98, non, on a le nom. Il fang. Bah, la maman, sous, il n'y a, il faut t'habiter. Sous, ma maman, il m'a failli là. Hein? Ça peut.